Aladien haray meden torani on wana men toranay no mabbe amen balde e cellal kono no siforte no nyandego en fo wombe do wowlete fimen e baaw men nyandego tawoyi alaji fatako alado kono faalete don yo yimbe be mando fimon si tawi on wura kono faalete don fimon yo mandite fi an komi faala yo mandite ko Allah yo taw be wowle fi an e hore gongaaji anni be wowla fi an fi diinaaji anni be wowla fi an fi jokkere en dan an be wowla fi an fi contribution ji anni pour la nation ko dum wadi ila ende julide ne yida da ko fi Allah ne la dum danende nde wonde baawo do julide buyno do aray mi do darne de goddo anda mi wirni toto ha mi darna fendo kam mi mari don ko fi nyande mi mara yo taw hara mi ninsa si mi mayi ko taw hara lenyol angol e musidal angal e bibbe am ben ara bantay hore fi an wowlam ko dun do ho mi fala bimbi nyande mayi kono hara wana yo be kondan fure on tawa wimmito ta ko o defando. Je m'appelle Amadou Ribaldé. Effectivement. Dans quelles circonstances il est décédé? Avant tout, nous rendons grâce à Dieu et nous prions pour la paix de l'âme de notre papa. Et hier, comme tous les jours, on faisait la rupture du mois saint, le mois de Ramadan avec lui. On a fait la rupture, on a fait les nafilas ensemble. Et là, j'ai fait son nafila arrêté, debout. Il a tout fait et par après, il nous a fait des bénédictions. Les bénédictions qu'il avait l'habitude de nous faire en court temps, de 3 minutes, 5 minutes. Mais hier, il a pris son temps, c'est comme s'il nous disait au revoir. Il a fait à peu près 10 minutes à 15 minutes de bénédiction. Après cela, nous sommes restés en famille, toute la famille était là. Vraiment, il y avait un environnement jovial. Et c'est là où il nous a dit qu'il avait des invités. Et certains d'entre nous ont quitté le lieu. Ces personnes sont venues s'entretenir avec lui. C'est à ce moment qu'il a vraiment souhaité se mettre à l'aise. Il est rentré, il n'a pas fait 5 minutes. À sa sortie, il s'est rassis au niveau de la terrasse. Et à partir de là, mon frère, Tiano Suleiman, l'a trouvé là-bas. Il a dit, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, je ne me sens pas bien. Il faut voir si tu peux trouver mon inhalateur qui est dans la voiture. Nous sommes partis voir, mais on n'a pas pu trouver l'inhalateur. J'ai pris la voiture, je suis parti à Dougoum, pharmacie Dougoum, pour en chercher. À mon retour, ça n'allait toujours pas. Et on a décidé, en commun accord avec son médecin, de partir à Ignace Dine. Mais ce dernier nous a fait savoir que Sino-Guinéen, il peut l'observer à Sino-Guinéen aussi. Et nous sommes partis là-bas à Sino-Guinéen. En cours de chemin, vraiment j'étais à vive allure, il m'a dit « Mon fils, je veux que tu fasses doucement. » Il n'arrêtait pas de faire la prière « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. » Et c'est ce qu'il a continué jusqu'à notre arrivée aux urgences. Et on l'a fait rentrer sous son lit. C'était sa parole. C'était cette parole qu'il n'arrêtait pas de répéter. Et on a vu notre papa s'éteindre devant nos yeux. Et vraiment, nous demandons à tout un chacun, s'il a eu à lui faire du mal, de lui pardonner. Et si lui, de son côté, je sais qu'il a pardonné tout le monde. Parce que tout le temps, il demande aux gens de se pardonner. C'était un être social et vraiment, il nous a inculqué des valeurs qu'on ne peut pas oublier aujourd'hui.
vraiment si c'est mon papa, je peux dire, mais si les papas étaient, tous les papas étaient comme lui, on aurait eu des personnes de valeur dans cette nation. Et vraiment, nous le regretterons pendant longtemps. Il n'a pas été malade. Et vous savez, avec l'âge, si vous atteignez les 80 ans, 85 ans ou plus, vous avez tendance à souffrir de certains petits maux qui font toujours, qui rappellent l'âme à son créateur, quoi. Donc, il n'était pas couché. Et là, c'est quelqu'un, même s'il souffre, il va à ses occupations quotidiennes et sans déranger personne. Et je veux même vous faire une parenthèse. Vous vous asseyez ici avec Elash et vous voulez et qu'il y a quelque chose qu'il veut prendre. Ici, vous êtes son fils à ce niveau et qu'il fait un geste pour vouloir prendre et que tu te lèves pour attraper et lui remettre la chose. Il te dit, laisse, le jour où tu n'es pas là, qu'est-ce que moi je vais faire? Si tu n'étais pas là, est-ce que ce n'est pas moi qui n'allais pas me lever pour le prendre? Donc c'est quelqu'un qui s'est suffi à lui-même. Il s'est toujours suffi à lui-même. Avec des valeurs vraiment, nous allons tous le regretter. Et là, c'était un symbole. Il aime son prochain. C'est quelqu'un qui aimait son prochain. Et il était d'accord avec tout le monde. Un jour, y a des gendarmes qui sont là actuellement. Ils disent, ah, il y a trop de va-et-vient. Je dis, monsieur, et là, j'y reçois même les fous. Quand les fous viennent, il leur donne à manger. Il n'exclut personne. Il reçoit tout le monde. Son téléphone est ouvert à tout le monde. Donc, vous devez comprendre qu'il est d'une sagesse aussi que vraiment, la nation a perdu un grand homme. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Il a même parlé de sa loi, il a dit que c'est une déformation sans loyer parce qu'il ne réclamait pas les frais de loyer. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ce nom? Effectivement, il y a beaucoup d'interprétations sur ce nom, sans loi, et il y a eu beaucoup d'interprétations. C'est que moi je peux dire que c'est sa générosité et sa sagesse qui lui ont donné ce nom. Et c'est quelqu'un aussi qui n'avait pas peur de dire la vérité. Et ses amis le connaissent ainsi et il le mettait au devant de toutes choses. C'est pour cela que Dieu lui a permis toujours d'être un alpha. Depuis sa jeunesse, c'est ce qu'il nous a cité, il nous a parlé un peu de son histoire. Quand il était jeune, et un jour il a acheté des paquets de bonbons, il est venu, il a partagé à ses amis. Depuis ce jour, ses amis l'ont nommé alpha. Et c'est ce qu'il a suivi jusqu'à aujourd'hui. Donc, le nom sale loi, certainement, il y a eu beaucoup d'interprétations. Ok, merci. Il est décédé à 23h50. Merci à vous. Hey,